Salut tout le monde! Et là, on est parti pour une partie de Invocateur! Ah là 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 là! Donc là, il y a les mythiques. On va peut-être pouvoir avoir rare. C'est ce que je vise. Ouh, j'ai trop hâte. Je vais faire le tirage. Félina, Teddy. Alors, je ne vais pas patienter. Je suis trop pressé. Avec 43 tirages, 42. Les tirages descendent assez vite. Mais j'y crois. Horus! Oh, j'ai un nouveau monstre mythique. Horus! Ouais! Ah là 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 là. On va continuer. Peut-être que je vais en avoir un autre. Alors, je suis content. Bon, je voulais rat, mais c'est pas grave. Un nouveau monstre mythique, c'est génial. Allez, 20, 19, encore 18 tirages. Et moi, j'y crois. 13 tirages, 12, 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ah là là, ça y est. Bon, au moins un nouveau monstre mythique. Alors, allons-y, on va le placer. Donc d'abord, je vais répondre à une question par rapport. On m'a demandé comment avoir le monde des pirates. Donc ici. Donc pour le monde des pirates, moi je l'ai au-dessus. Des niveaux le roi, chef de rage-point, vengeance commune, et moi je l'ai eu d'office. Donc je ne sais pas si quand vous commencez une partie ou si pour pouvoir jouer au monde des pirates, il faut déjà avoir débloqué certains niveaux, par exemple peut-être chef de rage-point, niveau difficile ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi je l'ai eu d'office. Donc pour y aller, en fait, entrer ici, et là on arrive au monde des pirates. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, du coup, mon nouveau mythique pour voir. Et donc, on va parler de lui. Alors, il est où? Pouvoir spécial, cri de guerre. Donc, il projette un rayon menaçant de son bec, oblitérant les ennemis. Attaque 420, vitesse lente. Donc attaque de rapide, la rapidité des monstres Ajaccio de 100. Ah, il augmente la rapidité des monstres Ajaccio de 180%. Ça, c'est pas mal. En fait, il va pouvoir me remplacer Flash. Alors, je vais retourner voir juste Flash. La capacité. Il augmente la rapidité des monstres Ajaccio de 180%. Eh oui, donc il va me remplacer Flash. Du coup, dans mon équipe. Donc, je vais lui rajouter un talisman. Est-ce que j'en ai des talismans légendaires? Non, j'en ai pas. Bon, c'est pas grave. Je rajouterai plus tard le talisman. Donc là, il est à 180. Du coup, devinez ce qu'on va faire. On va l'augmenter au maximum! Alors, on y va. Donc, 420. Et on y va, on va l'augmenter. 1000, 2000. 9000, 20 000, 30 000, 50 000, 70 000 d'attaque, 200 000. Oh là 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 là. 1 million, 2 millions, 6 millions, 9 millions, 10 millions. Ouh. Horus là, je suis bien content. Aïe 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 aïe. Billion en attaque. Ouh, celui-là, il va faire mal. Bon, sa portée, elle est moyenne. Donc, on peut voir, hein, la portée est moyenne. Mais par contre, 114 billions. Ça, c'est pas mal, c'est énorme. Quand on voit, par exemple, donc, les plus performants que j'ai, c'est 56 billions, 9, 9, 86 pour Kevin. Et là, 100.
Ah là 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 là. 114 billions en attaque. Oh là là, son rayon, il est trop fort. Donc le rayon attaque toute la map. Donc c'est excellent parce que vu que je vais le mettre en bas, il va pouvoir tirer sur toute la map. Ah ouais. Ah, il va cartonner. Franchement, je suis trop content de l'avoir eu. Oh là là. Alors, du coup, on va mettre un niveau plus fort. Pour essayer de voir du coup, son pouvoir. Donc, il y a plus de monstres qui arrivent. Mais c'est bien. Donc lui, en fait, il va remplacer du coup Flash. Et pour pouvoir booster plus rapidement les deux qui sont sur le côté. Donc soit je mettrai Flash en bas. En fait, je vais le mettre deux fois Flash. Ouais, peut-être. Enfin, lui en deux fois. Enfin, lui en une fois et Flash en une fois. Ça veut dire que j'aurai quatre monstres, les quatre sur les côtés, qui vont être beaucoup plus rapides. En sachant que je mets... je vous montrerai après une petite combi. Mais au milieu, je mets toujours le chat. Parce que lui, en diagonale, ils iront plus fort, hein, les monstres. Oh, il est passé. Bon, il a une grande puissance, mais il n'est pas très rapide. Hein. Ouais, ça, c'est un gros problème. Du coup, alors, je vais vous montrer... ma petite combi que je vais faire. Alors, on m'a demandé comment battre Vengeance Commune au niveau cauchemar. Donc, pour ce faire, alors moi, ici, j'utilisais Flash en bas pour être plus rapide. Là, j'utilisais le roi des Slimes. En fait, le roi des Slimes, du coup, lui, vu qu'il va faire attaquer toute la map et faire trembler, c'est beaucoup plus facile de l'utiliser ici en très rapide. Donc là, je vais mettre... Donc lui, en fait, ce qui est bien, c'est que tous ceux qui sont sur les côtés ici, en parallèle, ils vont être boostés. Donc ça, c'est excellent. Après, ici, je mets Kevin. Là, après, j'ai pas vraiment d'ordre pour tous les autres. Je vais mettre les plus forts sur les côtés. Ici... Voilà. Là, je vais mettre Velure. Et là en haut, il m'en reste un. Et du coup. Ah ouais, je mettais Claudia en bas. Parce que Claudia, elle avait une grande portée. Elle était moins forte, mais elle avait une grande portée. Mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre. Je vais la mettre en haut. Voilà. Parce que après. Ouais, ouais, je vais la mettre en haut. Voilà. Un peu l'équipe qui va être boostée et tout. Wow, ça va cartonner avec une équipe comme ça. Oh là là. Ah ouais. Là, je le sens bien. Ah là là, je suis content, mon nouveau monstre mythique. Yes, enfin. Ça faisait longtemps. Oh là, je me suis dit, c'est bon, j'en aurais plus. Mais si, j'en ai enfin un nouveau monstre mythique. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo. Bon, n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai. J'espère que j'ai été clair hein, pour comment avoir le monde des chats. Bon, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner hein, et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.